Alors, je reprends la suite pour faire la tarte aux pêches. J'ai mélangé avec. Je vais mettre comme les fruits. Alors, j'ai mélangé avec des pêches. J'ai mis trois pêches, enfin quatre pêches plutôt. Plus deux. Je les ai ouverts. J'ai enlevé les noyaux. Voilà. J'ai pressé le jus d'orange là-dedans. Voilà. Ensuite, je vais mettre une cuillère à soupe de miel, 2 cuillères à soupe, 3 cuillères à soupe de fromage blanc, voilà. Plus yaourt nature, je vais mettre 2 cuillères aussi, voilà. Et je vais rajouter un crème normand, je vais rajouter, je pensais peut-être pas besoin, mais je vais mettre une cuillère à soupe dedans, voilà. Voilà. Et plus le sucre, je vais mettre à peu près 3 cuillères dedans pour mélanger, voilà, ensemble. Comme j'ai pas de sucre glace, d'habitude je le fais avec sucre glace pour faire la crème, voilà, comme ça. Après, quand j'aurai fini, je rajouterai les. D'abord, je fais cuire la tarte. Ensuite, je mettrai les trucs, les fruits dessus, voilà. C'est une tarte aux pêches. Avec les abricots, voilà. Et je fais un petit peu de goût avec ça. Pour mettre dessus. Un petit peu de goût. Quand ce sera l'affaire, quand ça sera de froideur, on va manger, mettre dessus. Voilà, on va manger. Après, je vous dirai, comme c'est la première fois que je fais ça, j'espère que ça a marché. Voilà. Alors, je me suis un petit peu avancée. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, et j'ai rajouté comme arôme mordi, comme je voulais faire un peu la vanille ou j'ai mis des zestes dans le zeste orange en même temps. Et j'ai rajouté le miel, une cuillère à de miel, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et plus 3 cuillères à fromage, plus la crème, une cuillère. Et j'ai aussi aromatique aussi, j'ai rajouté sirop aromatique de fleur d'orange. Voilà. Et 3 cuillères de sucre. Je vais tous mélanger ensemble. Voilà. Crème, fromage blanc. Voilà. Et au cas où je ne vous ai pas dit, j'ai pressé l'orange dedans. C'était le premier. Normalement, vous avez vu. Et j'ai rajouté le truc là. Voilà. Voilà, j'avais un petit peu de difficulté parce que ça cassait. Donc, j'ai un peu. Mais je me souviens un peu. Pour les endroits, c'était déchiré un peu. Voilà, ça fait ça. Sur la table. Aussi. Je vais rajouter des trucs dessus, dedans. Des amandes au filet, je ne sais pas qui reste, qui restait, ou que j'ai des amandes en entier, je pense. Je vais en avoir dedans pour qu'on la laisse cuire un peu avec, et après je le fais sortir. Et je rajoute l'appareil dedans avec les pêches. Voilà. Là, je fais des trous. J'ai mis la crème, l'appareil dedans. Là, j'ai rajouté les pêches avec les machins là. Comme je vous ai dit, j'ai mélangé, voilà, avec les abricots. J'ai lavé et je les ai coupés en quatre. Comme ça, et puis l'autre, les abricots, je les ai lavés aussi. J'ai coupé en deux, voilà, parce que ça donne. Et j'ai laissé cuire la pâte un peu. Et je vais le remettre dans le four, là, que finir la cuisson. Je viens de finir sortir de mon gâteau pêche, tarte aux pêches plutôt.
et au four. Je vais laisser 2 heures, 2 heures, 3 heures comme ça, pour reposer et puis se refroidir. Voilà. J'espère que vous allez aimer et que vous allez le refaire. Voilà. Voici la part de fin de la caméra. Et vous mettez des pouces. Et vous en dites qu'est-ce que vous en pensez. Mais je n'ai surtout pas hésité. Faire des commentaires. Voilà. Ajouter du sirop que je vous ai montré tout à l'heure là. Ah, c'est pour faire la déco ou mettre la glace, etc. Ça va être un truc de sirop. C'est le sirop de fraise. Fraise, fraise. De Voilà, j'ai fraise. rajouté un peu dedans. Comme ma fille vient de dire, elle vient de goûter, c'est délicieux. Dommage que c'est chaud un peu encore. Mais c'est délicieux. Même moi, j'ai goûté. Donc, ça va. Délicieux.